Coucou. Allez-vous mes chers abonnés, il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le boss groupe coréen Haecon et leur tout nouveau titre YYY. Alors je n'ai vu aucun teaser photo, vidéo, etc. Même, bon j'ai plus Twitter parce que j'ai eu des soucis avec Twitter, mais même sur Instagram je n'ai rien visionné, rien regardé parce que je voulais vraiment ne pas me spoiler d'un pouce. Franchement, j'ai parfois encore du mal avec le départ de BI alors que ça fait maintenant quelques temps, mais je resterai toujours là à soutenir ce groupe parce que j'adore tout ce qu'ils font. Je les ai suivis depuis leur tout début dans leur première émission survival qui était face au futur groupe qui se nomme maintenant Winner. Et franchement, ils ont fait trop de peine dans cette émission. Et à chaque fois quand je vois leur parcours et même la YG qui ne les a pas vraiment mis en avant comme leurs autres groupes, maintenant j'espère que ça a changé avec le changement de direction qu'ils ont eu et même de la direction carrément. Donc franchement là je sais pas quel style ils vont nous pondre. Est-ce que ce sera quelque chose de très rap ou alors techno en mode badass ou balade? Est-ce que ça va être une histoire, etc. Maintenant je vais pas mettre les sous-titres pour vraiment m'immerger dans le truc, tant pis si je comprends pas. Mais franchement j'ai trop hâte de découvrir ceci maintenant. J'adore ce visuel. Cette guitare, c'est très joli. Oh, il y a tout qui est en apesanteur. Oh, ça c'est super joli. Cette composition florale. Ça lui va bien, les cheveux longs. Alors pour moi j'aime bien parce que chaque membre a vraiment facé, ok, c'est en français hein. À chacun son plan individuellement, c'est cool. Oh. Ok, là ça monte crescendo. Oh mais attendez, ils sont que 5. Pourquoi ils sont que 5? Bon, comme je vous dis, j'ai rien vu sur le net, donc je sais pas ce qui se passe. Où est Bobby? Après je sais que Bobby il était en train de faire sa carrière, enfin son album solo, etc. Ah bah il est là Bobby. Ok, je suis rassurée. J'aime bien parce qu'il y a des mots en français dans les musiques comme sur le téléphone passé, là pourquoi. Ok, en fait c'est un gros coup de cœur musical encore une fois. J'aime beaucoup le rythme et l'instrumental qu'on entend dans le refrain. Il y a ce côté très vintage à la fois. La chorégraphie a l'air pas mal du tout. Hein. Après, je comprends pas pourquoi ATEEZ par exemple ou Haecon, je sais plus s'il y a un autre groupe qui va faire leur comeback avant l'émission Kingdom, ça doit déjà être lourd physiquement. Pourquoi encore leur pondre un comeback quoi? Mmh.
Yeah, ça va aller directement dans ma playlist, cette chanson d'office. J'aime beaucoup comme si vous écrivez vous-même. Dommage que c'est juste qu'un single. Alors, après tout, c'est Icon. Franchement, j'aime énormément la chanson. Dès le début, vous avez cette sonorité musicale, cette guitare acoustique. J'ai adoré. C'est vraiment une balade, mais en même temps, vous avez ces refrains très rythmés et vraiment beaucoup de sons différents. L'instrumentalisation qu'ils ont utilisée lors du refrain, franchement, j'adore. Donc vraiment, rien à redire par rapport à la chanson. Après ma vidéo, je vais aller voir ce que ça voulait dire, tout simplement. J'ai compris un petit peu les mots amour, aimer, etc. En tout cas, j'aime beaucoup leurs expressions faciales tout le long du MV. On dirait qu'il y a cette plénitude, mais en même temps, cette grande tristesse. J'aime beaucoup comment ils sont habillés. Après, à un moment donné, ils étaient que 5. Je me dis, où est Bobby? Où est mon chouchou? Où est Bobby? Et puis, il est venu, il a fait son rap parfait, rien à redire. J'étais rassurée d'un coup. J'ai eu des frissons tout le long. Au niveau visuel, franchement, j'aime le fait que chaque membre a son plan individuel. Et ça a été vraiment travaillé pour chacun d'eux. Vraiment, toute cette composition chorale, franchement, j'adore les fleurs. Donc là, j'en avais pour mes yeux. Et vraiment... à un moment donné, dans cette sorte de bistrot, vous avez vraiment plein d'éléments en suspension, en apesanteur. Cette goutte d'eau également, j'aime beaucoup aussi la pièce où tout était rempli d'eau, immergé. Tout simplement, il y avait beaucoup d'éléments très intéressants. En tout cas, l'esthétique était là, bonne prise de vue, le caméraman a fait encore du bon taf. J'ai adoré du début jusqu'à la fin et franchement, cette chanson, on va aller directement dans ma playlist. Encore un coup de cœur du début de cette année. J'en ai déjà pas mal, ça promet. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais qu'est-ce que vous avez pensé de leur MV, de l'esthétique et également de leur nouveau son. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Nora.